la part de Dieu qui est, qui était et qui vient, et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le ressuscité. Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu nous donnes ton Saint-Esprit, car c'est à nous qu'est destinée la promesse, à nos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que tu les appelleras. Amen. Je louerai ton nom à cause de la bonté, ta bonté et de ta vérité, car tu as fait plus que tenir la promesse, ta promesse, plus que ce qu'on attendait de toi. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as rempli de courage et de force. Seigneur, tous les rois de la terre te loueront quand ils auront entendu ce que tu dis. Ils célébreront tes actions en chantant « La gloire du Seigneur est immense, si haut que soit le Seigneur, il voit les personnes qui sont humbles, de loin il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au cœur de la détresse, tu me rendras la vie malgré la colère de mes ennemis, tu étendras la main et ta main droite me sauvera. Seigneur, tu fais tout pour moi. Toi, dont l'amour dure toujours, n'abandonne pas maintenant ceux que tu as créés de tes propres mains. Renouvelle et raffermis mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Frères et sœurs, le Seigneur Dieu est tendresse et pitié, patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment de reproches. Il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. La bonté du Seigneur durera toujours. Et voici une parole certaine que nous pouvons accueillir. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Pour les uns, Jean le baptiseur,
pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Puis dans Jean, chapitre 6, les versets 1 à 21. Après cela, Jésus s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée, la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne. Là, il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous les pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites installer ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe, mon Seigneur. Ils s'installèrent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il avait produit, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète qui vient dans le monde. Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, seul. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans un bateau pour se rendre à Capharnaüm, sur l'autre rive de la mer. Les ténèbres étaient déjà là. Et Jésus n'était pas encore venu à eux. Un vent violent soufflait de la mer. Elle soufflait et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils aperçoivent Jésus qui marche sur la mer et s'approche du bateau. Ils eurent peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans le bateau. Et aussitôt, le bateau toucha la terre, là où ils allaient. Mais des décennies après, hélas, trop tard,
j'ai envie de dire trop tard pour le monarque, car entre-temps, le peuple affamé réclama des têtes, celles de Louis XVI et celles de tant d'autres après lui, comme si ces têtes allaient les nourrir. Le peuple n'avait pas seulement faim de pain, il avait surtout soif de justice. En effet, comment accepter de voir ses enfants mourir de faim quand à côté les nobles et le haut clergé s'empiffrent et fait la fête dans des orgies. Mais la révolte est un piège, est une addiction. Elle se nourrit d'un désir de revanche, de vengeance, de sang. La justice, elle, ne se nourrit pas, ni de vengeance, ni de revanche, ni de sang. Elle se nourrit, au contraire, du courage de ses serviteurs. Aujourd'hui, on ne crie pas, on ne crie plus du pain pour tous. On en trouve plein dans nos poubelles. Et pas seulement du pain d'ailleurs. 513 kilos par habitant et par an de déchets ménagers. Mais nous réclamons toujours un logement pour tous, l'éducation pour tous, du pouvoir d'achat pour tous, des bébés pour tous, la culture pour tous, et même des masques pour tous, un vaccin pour tous. Le peuple n'a pas seulement faim de pain, il a surtout soif de justice, comme le peuple avant la Révolution. Comment accepter, durant ce confinement, de se sacrifier, de se mettre en danger à l'hôpital, au supermarché, quand des nantis profitent de la plage à proximité de leur résidence secondaire? Comment accepter que des bobos parisiens donnent des leçons d'écologie, des leçons de transport urbain à des smicards banlieusards? Et inversement, comment accepter que des personnes continuent à jeter, à consommer comme ils le font, alors que la planète est en danger? Alors, le peuple réclame des têtes, celle de Macron, celle des financiers, celle des agriculteurs, celle des industriels, celle des bobos, celle des connards. Oui, il y en a tellement, hein? La Révolution française nous l'a apprise, la révolte est un piège, une addiction. Au désir de justice se mêle parfois un désir de revanche, de vengeance, de sang. Les camps se radicalisent, la société se fracture, la méfiance grandit. Mais nous pourrions prendre aussi un peu de hauteur, et alors nous nous rendrions compte qu'au niveau mondial, nous sommes sans doute les nantis de la planète. Que dire de la faim de ceux qui sont au loin et qui en meurent? Que dire de ceux qui meurent d'injustice, de guerre? Que dire de cette soif de justice? Du pain pour tous. Du pain pour tous, déclare Jésus à ses apôtres, qui est en l'air complètement estomaqué. La foule, pourtant, n'a rien demandé. Mais Jésus veut inaugurer par là une autre ère, celle des temps nouveaux. Il n'y a presque rien à manger. Et alors, à l'inverse de ce qui se passe dans les récits des trois évangiles synoptiques, ici, c'est Jésus qui s'inquiète de la faim de la foule, c'est Jésus qui fait la distribution. Il ne demande pas aux apôtres de leur donner eux-mêmes à manger. À la différence des synoptiques, on est là
sur la montagne et non pas au bord de la mer. Tout le monde est invité à s'asseoir sur l'herbe, comme des brebis se reposent dans les verts pâturages. Et Jésus, prenant les 5 pains et les 2 poissons, les bénit, les distribue lui-même, et il produit là un acte surnaturel, comme lors des noces de Cana. C'est l'inverse de ce que nous connaissons dans nos repas partagés, où du peu que chacun apporte surgit l'abondance et une abondance de reste. Alors, la foule reconnaît en lui le prophète tant attendu, Élie, celui que l'Éternel a promis d'envoyer. Avant que n'arrive le jour du Seigneur, jour grand et redoutable, est-il écrit en Malachie, chapitre 3, verset 23. Oui, du pain pour tous, a réclamé Jésus, et tous pour Jésus, dit la foule. Et en effet, Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, seul. Dans le passage qui vous a été lu, Jésus semble répondre aux 3 tentations du diable dans le désert. Si le pain est multiplié comme par enchantement, ce n'est pas pour se nourrir lui-même, comme le diable l'y invitait dans le désert. S'il marche sur la mer, ce n'est pas pour mettre Dieu à l'épreuve, comme le diable l'y invitait en se jetant du haut de la montagne, mais pour inviter ses disciples à ne pas avoir peur. Si Jésus s'échappe seul dans la montagne, ce n'est pas pour être roi et célébré par tous les peuples de la terre, mais c'est parce qu'il reconnaît que cette royauté-là est pour un autre que lui-même. L'évangéliste Jean n'a pas construit son récit à la manière des synoptiques. Dans les synoptiques, Jésus produit seulement des miracles auxquels les apôtres, en distribuant le pain et Pierre en marchant sur l'eau, participent eux-mêmes. Dans ce texte, Jean insiste beaucoup plus sur l'aspect surnaturel de ses gestes, concentré uniquement sur la personne du Christ, non pas pour en faire une espèce de héros, pour en faire une espèce de demi-dieu auquel nous pourrions demander du pain pour tous, comme des oisillons attendant la béquille. Par ce récit, Jean nous invite à voir au-delà des miracles relaté par les synoptiques. Il nous donne à voir une réalité spirituelle. Une ère nouvelle est inaugurée. En Christ, le royaume des cieux s'est approché. La foule n'a rien réclamé, si ce n'est la tête de Jésus pour qu'elle soit couronnée, couronnée d'or, et puis un jour, couronné d'épines. Foi pour tous, justice pour tous, mes frères et sœurs. Où trouverons-nous de quoi nourrir ces foules qui mendient sur nos trottoirs, qui revendiquent dans nos villes, qui passent nos frontières, qui traversent les mers? Aurons-nous assez? Mais Christ nous le dit, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur de manquer. N'ayons pas peur, offrons ce que nous avons. Car dans nos gestes d'accueil et de partage, Christ est là qui se donne pour chacun de nous. Christ est là qui nous fait vivre le royaume des cieux. Alors, oui, frères et sœurs, allons
du pain pour tous et tous pour Jésus. Amen. Avec les Samaritains. Nous savons qu'il est véritablement le Sauveur du monde. Avec Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Avec Marthe. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Avec Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen. Amen.
Seigneur notre Dieu, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Dieu d'Abraham, Dieu de la promesse, donne-nous d'être les témoins de ta fidélité que le monde attend. Dieu de Jacob, Dieu du combat, donne-nous de lutter contre le mal, contre l'injustice et la souffrance. Dieu de Moïse, Dieu de la délivrance, donne-nous de libérer les prisonniers du doute, du désespoir et de la peur. Dieu de David, Dieu des louanges, donne-nous de répandre la joie de te connaître. Dieu d'Élie, Dieu de la faim rassasiée, donne-nous de partager notre pain avec celles et ceux qui ont faim. Dieu de Jésus-Christ, Dieu d'amour, donne-nous en tout temps et en tout lieu d'être comme les échos de ta parole qui accueille, console et donne la paix. Nous allons également te remettre les personnes de notre entourage, celles que nous voulons te confier dans le secret de nos cœurs. Nous te confions bien évidemment aussi la situation sanitaire mondiale, la situation politique, économique au Liban, en Biélorussie et ailleurs. Tous les affamés de pain, de justice, de paix et d'amour. Tous les oubliés de la terre. Oui, Seigneur notre Dieu, sois avec eux. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, tous ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire.
la mort à la vie, vous avez ainsi une espérance vivante. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Dieu tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Dieu porte sur vous son regard et vous donne la paix. Amen.